Salut à tous, on est reparti sur Pokémon Empyrean. Je sais plus trop où on en était, on avait fait le premier truc où il fallait être niveau 14, le premier tournoi, et là il fallait qu'on fasse l'arène, si je ne me trompe pas. Si je ne m'abuse. Et si je m'abuse et que je me trompe, bah tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je l'ai perdu, elle est là. Elle est là, l'arène. Donc on a battu tout le monde, je crois. Je crois bien, hein. Ouais. Ok. Idiot, je marche ici. Oh, bah si c'est pas toi, j'ai oublié ton nom. Pas important, de toute façon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Espèce de nul. Oui, rookie, c'est nul. Débutant ou nul. Je te prends ici et maintenant, je m'en fous. Je viens juste de battre le capitaine du gym tout pourri. Les Pokémon ne sont même pas soignés, mais je m'en fous. Je vais essuyer le sol avec ta tête, avec toi. Chikorita. Contre Chikorita, on envoie KCC. On va voir si KCC évolue. Normalement, dans cet épisode, on devrait savoir. Normalement. Très bien ça, le poison. C'est parfait. Est-ce que le Pokémon meurt du poison? Est-ce que c'est relou? Il envoie Heracross. Même pas peur. Même pas peur. Même pas... Ça commence à être douloureux. Alors, non, le poison c'est relou et ça me fait peur. On n'oublie pas qu'on est sur un Nuzlocke, donc si on meurt, on est mort. Intelligent comme phrase, non? Et on veut pas mourir de décès. Donc on se soigne. Ok. Ah. Ah. Eh ben on va réutiliser une potion, je m'en fous. Même pas peur, j'en ai plein. Et je vais peut-être racheter des potions du coup avant de faire le champion d'arène. Encore une fois, hein, c'est pas de la peur, c'est juste de la prévention. Mais il est chiant. Non, non. C'est bon, ça passe. Ça passe. Non mais c'est bon. Ah oui, il gagne plein d'XP lui, j'avais oublié. Allez, pouf. Bon, t'as gagné parce que le Pokémon est pas soigné. Hein. Noob. Donc on va se re-soigner, c'était vraiment, vraiment sympa en tout cas, je me suis dit bon, belle initiative de faire l'arène, mais visiblement ça ne paye pas forcément. Bonjour, je voudrais me soigner. Merci, au revoir. Et je voudrais acheter des potions. J'en ai combien des potions? J'en ai 7, bon non, j'ai pas besoin. 7 ça va, parce que de toute façon on passe très vite aux super potions, parce que 20 points de vie c'est pas énorme. Donc on va s'arrêter là. Bonjour. Je peux voir que c'est ta première fois dans un gym, dans une arène. Laisse-moi t'expliquer les règles. Premier challenger doit battre le vice-capitaine de l'arène, c'est moi. Et après, s'il m'a battu, il peut battre le capitaine. Ok. Ok, donc par contre, si je bats le vice-capitaine mais que je perds contre le champion, je peux rebattre le champion direct. Au niveau 8, ça va. Quoique, c'est un peu embêtant de perdre de la vie avec mon chorizo dès le début. C'est quoi Aaron? Ok. Un peu relou, ça. Bon, 12 points de vie qu'on n'était pas obligé de perdre. Hein. Je vais appeler le capitaine maintenant. Salut, je suis Rita. Le gym captain. Montre-moi de quoi t'es capable. Je suis soigné ou pas? Ouais, vachement bien la musique. Je suis soigné, ça. Le crit qui fait plaisir. Rhinocorne. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Oui, on veut bien apprendre Peck.
Ah, mais PEC, c'est nul. Non, on ne veut pas apprendre PEC. Ah, mais alors si, en fait. On aurait dû apprendre PEC. Ah non, 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 contenu, je suis pas bien, là. Je m'en fous, je baisse son attaque. Non, non, mais baisse ma défense, je m'en fous, je baisse ton attaque. Ouais, mais tu fais aucun dégât, t'es nul. Oh, la honte. Parce qu'en fait, PEC, ça aurait été pas mal, parce que si je tombe contre des insectes, par exemple, ou des Pokémon plantes, plutôt que de me faire juste laminer, j'aurais fait PEC. Ah, le coup critique, il fait encore plaisir. Bon, ça va, c'est bien passé. Oh, trop fort, bravo. Tiens, je te donne ton premier badge. Badge hard. Et bulldoze. C'est bien, bulldoze. Bonne chance dans ton combat. Je peux y aller, là, ou pas hein? Je peux pas y aller. Je peux y aller ou pas hein? Merci. Pourquoi je peux pas aller voir les appartements de la championne? Je peux savoir. Je l'ai battu quand même. Et Daddy, attends, est-ce que t'as le temps? Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Viens me voir à la Chaumont Forest. Tout seul. Ok. Faut que j'aille la voir, mais seul. Je peux y aller maintenant? Non, je peux y aller. C'est fou ça quand même de mettre des portes qu'on peut pas prendre. Moi, je trouve ça frustrant. On se soigne et on va à la Chaumont Forest. Et voilà, par exemple, dans la Chaumont Forest, j'aurais pu passer Manchorizo niveau 16 pour qu'il évolue. Et salut, le professeur allemand m'envoie pour te trouver. Elle veut que tu aies ça. Pokégear. Super. Il y a une map, un téléphone et un Apriplum Tracker Device. Un crafting kit et un guidebook. J'ai aucune idée de ce que c'est que tout ça. Super, merci. J'ai mon premier smartphone. Bravo d'avoir gagné contre la reine. J'ai jamais douté de toi. Il y a une autre raison pour laquelle je t'appelle. Un homme qui a travaillé avec ton père a visité mon labo. Et il m'a demandé à te parler. Vraiment, comment il connaît mon père maintenant? Et il est où mon père? Il était pas très clair à ce propos et il a dit que il voulait te parler en personne. Je lui ai dit que t'étais bientôt à Chaumont Town. Et il a disparu. Je suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, tu devrais aller jusqu'à Chaumont. Il y a aussi une arène pour toi et utilise la carte et le Pokégear. Voilà. Tout ça. Ok. Donc c'est là qu'il fallait que j'aille. Tam tam tam, toi da tam 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 tam. Voilà, là, si j'avais eu PEC, j'aurais été bien. Du coup, on va hop, remettre KCC. On va remettre KCC et on va le passer niveau 17. Un jour. Oh, c'est toi, Daddy. Je vois que t'es tout seul. C'est bizarre. Tellement bizarre. Oui, tu m'as demandé de venir. Tu vas venir tout seul dans une forêt noire. Ouais, plutôt je marchais ici et j'ai fait tomber un objet personnel. Et je le retrouve pas. Mais j'ai trouvé un moyen de le retrouver. Et c'est là que tu entres en jeu. J'ai besoin que tu coupes toutes les petites herbes avec une paire de ciseaux. Ok. Fouinette. Bah, je coupe. Je vais couper l'autre d'abord. Ah, j'aime bien lui. Lui, il est cool. Shroomish. Là, je coupe ça. Ah, bah, je peux aller sortir déjà. Non, non, mais je veux pas sortir tout de suite. Je ne veux point sortir tout de suite. Bonjour. Grubine. Ça, c'est fait. Niveau 17, qu'est-ce que c'est? Ponyta, bah contre Ponyta par contre. On envoie notre pingouin. Et Bubble. Il est plus rapide que moi. Attends, Bubble, c'est vraiment naze. Il n'y a pas à dire. Par contre, ça crie tout le temps. Alors là, c'est un crit sur deux. Niveau 16, très bien. Enfin, une bonne nouvelle. Et du pognon. Et on évolue. En prend plus. Bravo, t'as gagné. Ok, merci. Mais Ah.
Oui, je coupe. Une tondeuse à gazon. Est-ce que c'est ça l'objet qu'elle avait perdu? Une tondeuse à gazon, vraiment? Ok. Bah écoute, si t'as perdu ta tondeuse à gazon, je te la rapporte. Je suis comme ça, moi. Ah non. C'était pas ça. Donc j'ai gagné une tondeuse à gazon. Qu'est-ce que c'est là? Ça fait quoi la tondeuse à gazon, du coup? Ah, ça s'utilise qu'une fois et ça annule les attaques de type plante contre le Pokémon qui le tient. Ok. Ah maintenant il est à son objet. Ouais non mais je suis idiot. Tiens, prends mon numéro, Daddy. Tu sais jamais quand on a besoin de bras forts. Mais donc, en fait, elle était devant le buisson avec les ciseaux. Et elle m'a fait venir tout seul dans la forêt pour que moi, et pas elle, j'utilise les ciseaux pour qu'elle récupère son objet. C'est tout. Alors, est-ce qu'on est deg et là on peut recapturer un Pokémon? Bah visiblement non. Visiblement non, parce qu'il est mort. Du coup deg, mais en même temps, bon, Chrysacie, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, parce qu'on l'a déjà. Facile. Vraiment utile d'avoir un Pokémon feu, en tout cas. Je pense que pour le coup, on est assez bien tombé. Mais c'est une blague. Je fais pas ça, je suis pas bizarre. Si, t'es bizarre. Comment t'as osé smiter mes glorieux insectes? Il est pas bien, lui. Ah, un rappel, merci. Ça, c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas celui-là. Bon, je suis pas au point sur les derniers Pokémon, hein, donc... Niveau 18. Toujours pas d'évolution. Va-t-il évoluer un jour? C'est ça la question. Parce que bon, s'il évolue pas, on est content qu'il apprenne de qu'il est d'XP vachement vite, mais... Mais c'est pas fou à part ça. Allez. Encore des insectes. Bon, c'est du full one shot hein, pour l'instant. Oh, attends, me frappe pas! Je savais pas que t'étais aussi fort. Et il me donne de la thune en plus parce que c'est du racket. C'est donc officiellement du racket. Ah, je peux pas aller par là. Il y a un problème avec les piafabec. Et je peux pas aller par là. Ok. Mais du coup, je peux aller par là. Ah oui, donc là, c'était l'autre truc, l'autre chemin. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah. Bon, on va se faire tous les dresseurs. On va être niveau 40. Ça va être très bien. Mince, non, je veux pas changer. J'aimerais bien trouver un troisième Pokémon. Deux, c'est un peu short, je pense. Ça va le faire, hein, mais... Ah, niveau 19, très bien. Il veut prendre Bit. Oui, je veux que tu apprennes Bit. Évidemment. Trop bien, Bit. Bah, à la place de Metal Claw, c'est que 95 d'accuracy. Je suis pas fan. Tellement d'XP. Voilà. Bon. Bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Bonjour. Ah, c'est Moira. Écoute, j'ai besoin d'aide. Ah ouais, bien sûr. J'ai amené quelqu'un pour nous aider. Ok. On va se battre contre les piafabec. Ok. Est-ce que contre les piafabec, on prend qui? Est-ce qu'on prendrait pas Plouf? Vas-y. Bah, niveau 8, ça va. Ça va, franchement, niveau 8, c'est tranquille. Hop. Et est-ce que Bubble, ça fait plus mal? Voilà, ouais. Du coup, la réponse est oui. Merci pour votre aide, tous les deux. Les Murkrow peuvent retourner dans leur maison maintenant.
Pas de soucis, on est trop content d'aider. Tiens, prenez ça, je pense que vous le méritez. Des potions et des rappels. Et des repels. Oh Daddy, t'as été trop bien. Est-ce que t'as prévu d'aller au Chaumont JC? JC? C'est un diminutif pour Jim Captain. Ah ouais, je suppose. Je vais faire ce que je suis destiné de faire, de toute façon. Ok, on a tous les deux eu notre premier badge et maintenant on est prêt pour le second. On est en train de sweep la région. Bon, j'y vais. Et Violite. Très bien. Très bien. Du coup, faut que j'aille par où maintenant? Parce que par là, j'ai déjà fait. Donc, je suppose que non. Je suppose que c'est pas par là, du coup. Parce que par là, je suis déjà allé. Et en même temps, la nana, là, elle est montée par là. Tant qu'on est dans la forêt, on va reprendre lui. Murkrow. Ah, mais c'est lui, Murkrow. Je l'aime bien. Il est cool. Qu'est-ce qu'il y avait là? Power Seed. Ok. Ah, mais là, il y a un chemin. Quel idiot. Quel imbécile bête. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais point vu. Ah. Full XP. Parfait. Ça, c'est relou. Ça, c'est super relou. Niveau 20. Bon, le gain de double d'XP, c'est vraiment une bonne nouvelle, par contre. Scarabrut, ça peut faire très mal. Ah, je l'ai brûlé. Cool. Je pense que j'aurais pu prendre très très cher, sinon. Niveau 21. Toujours pas d'évolution. On va essayer de soigner le poison. Est-ce que j'ai un truc pour soigner le poison? Parce que quand même... Ouais, antidote. Nickel. Et on va utiliser des potions. Voilà. Bon, bah on sort de toute façon, mais... Ah non, on sort pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour. Oui, soigne-moi, merci. Bienvenue au Pokézard. Non, ça va aller là. J'ai ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, il y a une Pokéball, je l'ai vu. Je l'ai vu. XP Turbo, qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu, elle est à moi. Qu'est-ce que c'est? Un item qui booste de 50%. Ah, pendant 100 pas, on a 50% d'XP en plus. C'est bien ça. J'ai pas regardé si je pouvais prendre Bulldoze à quelqu'un, parce que c'est fort Bulldoze. Je peux pas. Problème réglé. Problème réglé. Ah, là j'ai pas de Pokémon là. Trainer Grove. Je vais peut-être pas aller là tout de suite. Attendez. Tu peux aller au Trainer Grove par cette cave. Mais fais attention, il y a plein de dresseurs. Et ils vont te forcer à te battre. Ok. On a été appelé ici, mais on n'a pas vu le Pokémon Berserk. Il y a un Pokémon Berserk, qu'est-ce que c'est? Ouais, vas-y. Ah. Prends plouf. En avant, mon fidèle pingouin. Bublé. J'ai pas vu ce qu'il allait envoyer. Mince. Mince. Eh ben, on renvoie KCC. On partage l'XP, nous on est comme ça. C'est cadeau. On partage. Ok. Non, attends. Oula. Oh là là. On peut pas aller à Chaumonk. Mais pourquoi? Il y a eu un incident. Un Pokémon sauvage a commencé à attaquer tout le monde. Route 102. Pokémon Rangers arrivent. Mais ils ont été incapables de le stopper. Le Pokémon est recherché à Chaumonk Lake. Faut attendre attends, avant que la zone soit calmée. Ok. Faut attendre dans la zone avant que ce soit calmé. Ok, bon. Est-ce que. Ouais. Ouais. Est-ce que là je peux capturer un Pokémon du coup? C'est une nouvelle zone aussi. Du coup. Logiquement. Protect. Pas chiant, c'est bien. Pas chiant du tout. Ouais, mais t'es brûlé.
Du coup, deg en fait. Du coup, méga deg. Donc, qu'est-ce que je capture comme Pokémon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est nul? C'est nul ou c'est bien? Ça a l'air sacrément nul. Peut-être c'est bien en vrai, mais. Mais ça a l'air nul. Est-ce que si je le tape, il meurt? Ça, je peux pas. Qu'est-ce que je fais du coup? Ouais, voilà, très bien. Je vais le capturer, mais ça a l'air sacrément naze hein, quand même. Je vous cache pas que je suis pas sûr de le jouer dans mon équipe Cutiefly là. Parce que ça a l'air vraiment tout naze. Ah, j'ai pas donné de nom. Non, ça c'est pas possible par contre. On va rename. New nickname. On va l'appeler tout pourri. Hop, parce que c'est une question. Parce que je ne sais pas, mais ça a l'air tout pourri. Voilà. J'ai donc un tout pourri. Trop content. Trop heureux. Voilà, il y avait des cornèbres. Mais non, non. Non, non, moi j'ai un truc tout pourri. C'est pas grave, hein. Il y avait juste des trucs vachement bien, donc autant que je prenne un Pokémon tout naze, quoi. Je suis heureux. Ah, route 102. Je peux capturer un Pokémon aussi. Terrible! J'ai jamais vu un monstre pareil. J'ai vu Celebi, Pokémon légendaire, voler au-dessus du lac. Mes yeux me jouent peut-être des tours. Peut-être. Donc là, je peux capturer un truc aussi. Starly. Ça, c'est pas trop mal, non? Je suis deg. Je suis deg, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je vais prendre 100 d'attaque? Non. Ah! Si. À la place de Growl. Je suis deg, je l'ai tué. Je suis deg parce que c'était pas trop mal ça. Ça faisait un Pokémon vol. Et ça, c'était cool. Mais tant pis, hein. Tant pis, on va continuer sans. Je vais toucher la mousse. Les Pokémon plantes sont plus forts, mais j'en ai pas. Une limonade, merci. Ok. Je peux aller par là. Je peux aller par là. Oh non, pas eux. Allez, on y va. Oh, si c'est pas Daddy! Hein. Hey Daddy! Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Hein. On est en train de se faufiler. Le lac? Mais il y a un million d'officiers de police. Oh, ils peuvent pas me stopper. J'ai un secret, j'ai un chemin secret que j'ai trouvé juste ici. Je veux capturer le Pokémon fou. Ils ont dit qu'il était hyper fort. Vous venez ou pas? Dites pas que vous avez peur à Utorchix. Alors, je sais pas ce que c'est Torchix. C'est un Pokémon? Bah oui, on le suit. Allons-y ensemble. Ok. Ah là, je peux capturer un Pokémon. Ah! Oh, attends, il y a moyen. Il y a moyen que les deux soient vachement bien là. Il y a moyen que les deux soient vachement bien. Lequel je capture? Je pense que je capture Murkrow en vrai. Le deuxième, j'aime beaucoup. Mais je sais pas s'il est vraiment fort. Le tue pas. Voilà, très bien, brûlé, parfait. Je le capture. Je le capture, j'annonce. Raté. Je le capture, j'annonce. Je suis dégoûté. Je le capture, j'annonce. On va racheter des Pokéballs, franchement. Non mais allez, t'es pas marrant là, t'es brûlé. Donc t'arrêtes maintenant. Je vais pleurer. Encore une fois. Non mais attends, dernier espoir. Non mais j'ai fait Béba pourtant. Pourtant j'ai fait Béba. Attends, Daddy, on doit trouver Blitz d'abord. Bah ouais, mais j'ai plus rien. Si, j'ai une Mystic Water, mais... Ah bah je peux la donner à... Après un plouf, tiens. Ah, je suis soigné entre les combats quand même.
Oh, je suis deg, je l'ai pas capturé. Moi j'aurais bien aimé avoir, mais même celui-là il est marrant. Enfin, il a l'air marrant comme Pokémon. J'aime bien son skin. Moi je veux ça, moi. Zut. Zut. Qu'est-ce qu'il y a là? Je peux pas aller derrière la cascade. C'est rare qu'il y ait une cascade sans rien derrière. Je vous le dis tout de suite. Je gagne pas d'XP de toute façon, donc ça ne sert à rien ce que je fais là. Il y a un bruit. Oh, il y avait des trucs trop bien. Le machin morveux là, c'est trop bien. On va sauvegarder. On va sauvegarder parce que je le sens pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une maison. Une maison. Je trouvais une berry. Super. C'est fermé à clé. Blitz? Blitz! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va faire ça parce que je vais essayer de le brûler. On dirait une tête de Pikachu. On dirait un Pikachu mais avec une belle colonne vertébrale. Hein. Bon, j'aurais pas brûlé, mais bon, le combat s'est plutôt bien passé. Il a tapé que l'autre. C'est cool. Blitz a pas l'air blessé. Blitz a pas l'air blessé, il est seulement assommé. Moira? Mais c'est qui ça? Ça ressemble pas à un Pokémon Ranger ni à un policier. Alors c'est sans limite. Vous deux, vous comprenez ce qui se passe? Cette chose. C'est un Pokémon, mais c'est des Jolas. Qu'est-ce que c'est? En effet, c'est hideux. Mais cette Wavering Path toward... Mais c'est le chemin de la perfection. Les atrocités seront produites et détruites. Jusqu'à ce qu'une créature impeccable émerge. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas comme ça que le scénario doit se passer. C'est un prototype défectueux. Nous sommes témoins. Prototype, hein, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es qui, hein? Je pense que vous deux avez entendu et vu des choses. Mais mec, alors oui, on a entendu des choses, mais c'est parce que tu parles, en fait. Le mec, il raconte son plan, il a préféré là. Je sais pas, vous deviez pas entendre ça. Bah, c'est toi qui as raconté. Enfin, il y a un moment... Comment je fais pour deal avec deux humains en une fois? Si seulement il y en avait juste un, ce serait assez. Quoi? Non, Danny, cours! Oh, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous rendez ça un peu embêtant. Hey! Il y a quelqu'un par ici, appelez les autres rangers. Pas du tout bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été attaqué par le berserker Pokémon? Ouais, mais on l'a défoncé. Hein. Est-ce que Blitz va bien? Il est inconscient, on va le ramener en ville. Et dépêchez-vous, les autres rangers arrivent. Comment vous avez dit que vous appeliez? Daddy, Moira. Et ce mec, c'est Blitz. Hein. Moi, c'est Néant. Néant, voilà. Je suis un des leaders de Sous-Cern, de la guilde Sous-Cern Ranger. Enchanté, hein. on est chanceux que vous soyez venu. Ah ouais, pourquoi? Vous avez dit que vous avez battu le Pokémon. Ouais, mais il y a un mec qui est venu après, il avait un manteau bizarre, blanc, et il voulait nous blesser. J'ai eu trop peur. Ok, vous devez rapporter ça à la police immédiatement. Je vous donne une full description du mec. C'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Un Pokémon avec un look bizarre, Ran a couru près des villages et des... Ils sont dans les villages, ils sont dans les forêts, en attaquant violemment tout le monde. Après une longue chasse, les rangers ont réussi à le bloquer dans un coin et ils ont essayé de le dresser. Mais même la plus forte des Pokéballs n'a pas réussi à le confiner. Alors que le Corona est... Ah bah ouais, hein. Un des rangers a reporté quelque chose d'intéressant. Il avait un homme les regarder avec un manteau blanc, les regarder à distance. Le ranger a appelé les autres, mais jusqu'à quand ils sont arrivés, le man avait déjà disparu. Est-ce que ça peut être le même que celui à qui on a parlé, hein? C'était un long time ago, hein, donc j'en suis pas sûr, mais... est-ce qu'il vous a dit quelque chose?
Ça voulait rien dire. Quelque chose à propos d'un prototype, je m'en souviens plus. Bon, allez. Oui, on a eu de grandes aventures aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on va capturer le Pokémon, mais bah, before that, on va essayer quelque chose pour le stabiliser. Ça va, Moira? Ouais, merci, Lady. On ferait mieux d'aller à Chaumonc. Cette place me fait, cet endroit me fait peur. Ok. Ah, mais il y avait ça aussi, mais c'est trop bien. Et moi, j'ai eu rien. J'ai eu rien du tout à la place. La maison, je peux y aller? Maintenant que le Pokémon est parti. Non. Je ne peux pas y aller. Mais je peux y aller quand à la maison? Oh! Un pot. Je peux casser le pot. Normalement, je peux casser les pots. C'est chiant, cette heure dit, hein. Bon. Ah, je peux pas y aller. Il faut que j'ai surf. Swampertite. Ok. Oh, attendez. Il y a un monsieur là-bas. Il y a un monsieur là-bas, je veux lui parler. Il était pas là avant, il est tout blanc. Si ça, c'est pas un signe du destin. Ah, mais non, mais il a Sturdy, lui, c'est relou. Attends. Oh, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai pas été hyper rassuré là pendant un moment. Ouais, possiblement fait un peu pipi. Il y avait des Pokémon trop bien dans la forêt. Et moi, j'ai rien. Nada. Que chi. Que dalle. Bon, alors oui, je pourrais passer niveau 23. Mais. Je peux pas prendre les champignons? Non. Monsieur. Ah bah, il est pas là. Ah non, mais il était là. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, il y a bien monsieur tout le monde. C'est quoi ce jeu qui donne des alus là? Pouf, le headbutt. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra à pas te faire capturer. Oh, cette chose est partie. Je peux rentrer chez moi. Mon pendentif, c'est une précieuse ambre. Pardon. Oh, quelqu'un toque à ma fenêtre. Mais on est au quatrième étage. Kirlia ? Comment t'es entré ici ? Ah, oh, tu peux faire ça. Je suis content de te voir. Je suis content ou contente, je sais pas. Est-ce que tu veux t'allonger dans mon lit ? C'est vraiment chelou là par contre. Tes mains sont si froides. Pardon ? C'est moi ou c'est gênant ? Tu devrais pas avoir fait tout ça pour moi. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose arrive. Quelqu'un arrive. Cache-toi sous le lit. Ah, Willy, t'es réveillé. Mon oncle. J'ai des nouvelles, Willy. Tu vas pouvoir sortir, possiblement tout aujourd'hui. Alors, j'ai amené ton costume de Réuniclus. Merci beaucoup, mon oncle. Je vais finalement pouvoir voyager en tant que Pokémon Trainer. C'est génial qu'il... je veux dire, ouais. Écoute, Willy, je suis désolé. Quoi? Ils ont dit que tu serais pas capable de voyager autour du monde. Pas maintenant. Mais si on attend un peu, je suis sûr que ce sera possible, hein. Qui sait? Ou peut-être que tu trouveras des amis avec qui tu pourras y aller. Je suis désolé. What the fuck was that? Mais du coup, je peux retourner voir madame là maintenant. Elle est retournée dans sa maison. Si, si, si. On va passer notre vie dans cette forêt. J'annonce. J'annonce, j'y remets jamais les pieds. Je suis dégoûté. Moi, je voulais lui en fait. Lui, il a le style. Je sais pas s'il est fort, mais il a le style. Et je voulais pas lui du tout. Je l'aime pas du tout. Il est moche. Oh, il y avait des Abras. Il y avait des Abras. Alakazam, clairement, meilleur Pokémon du monde. Enfin, un des meilleurs. Vous deux, vous avez battu le monstre. Oh, qu'est-ce que ça faisait au moins ici, dans ce lac tout peaceful? Il y a une grotte. Il n'y a plus rien. Ce jeu m'en fout. J'annonce, ce jeu m'en fout. Est-ce qu'il y a des Pokémon ici? Non. Madame, on en parle du truc chelou dans ta grotte? Non. On n'en parle pas. T'as une cave chelou, mais on n'en parle pas. J'ai pas vu ce que c'était, par contre. Voilà, si vous avez vu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Par courrier recommandé. Bon. Bel épisode, on va s'arrêter là pour l'instant.
On n'a rien capturé du tout. Je suis vert de dégoût. On n'a plus de Pokéball. C'était un échec. J'aurais bien aimé capturer un nouveau truc, parce que deux Pokémon, je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il faut au moins 3. Et un Pokémon vol, ça aurait été vraiment sympa. Ah, ils sont tous partis. Allez, là. Oui, soigne-moi. Merci. Je viens de payer pour qu'elle me soigne, là, non? Tu peux apprendre Quiver Dance? Ouais, ok. Bah, je vais aller là, du coup. Tant pis, hein. Tant pis, on va remettre Primplouf en premier. Ah si, j'ai tout pourri. J'ai tout pourri qu'on va peut-être pouvoir jouer parce que j'aurai pas le choix finalement. Ah. Mais pourquoi il y a que des Pokémon plantes partout? C'est un peu relou qu'il y ait que des Pokémon plantes partout. Bon ça va, s'il fait que ligotage, a priori on va s'en sortir. Hop, là c'est pareil. Hein. On n'est pas fou contre Melofé. Ouais. C'est long, on est d'accord. Alors si tu pouvais te réveiller, Blot, enfin, vraiment. Allez, on y est presque. Ah, un beau combat. Oh, beaucoup d'XP. Oh, ça j'aime. Ah, du pognon en plus. Ouais, mais là, c'est encore un monsieur qui a des insectes. Donc, en fait... Ah. Oh là là, vu. Il m'a vu de loin, lui. Hein. Il m'a vu de loin, de très loin. Mais si j'avais pris Peck, j'aurais pu taper les insectes. C'est là que j'ai été con. Parce qu'avec Peck, j'étais pas mal contre les insectes. Même si c'était pas stabé. Bon, que 50 balles de plus, Rabin. Bon, par contre, ce jeu, c'est du vrai racket, pour le coup. C'est. Tu veux voir mon Pokémon rare? Eh ben, heureusement que j'ai pas Primplouf en premier, tiens. Le jeu qui ne veut pas qu'on augmente nos Pokémon haut. Masse pognon. Protect. Protect, c'est bien ça, Protect. Mais trop de niveau d'avance là. Mais j'ai battu elle. Beaucoup trop de niveau d'avance là. Faut que j'augmente Primplouf. Hein. C'est plus possible. On l'a battu. On a les droits. Et on le raquette. Super. Je me sens vachement bien à raqueter les gens comme ça. Ah, je voulais mettre la Mystic Water. Give the Mystic Water to Manchorizo. Si. Et là, avec la Mystic Water, ben on vous défonce. On vous défonce, madame. Bah oui, non, c'est pas très efficace. C'est évidemment que c'est pas très efficace. Alors qu'un petit Flamèche. Ah, ça me fait rien, étonnement. Cool, ça. Bon, on a pris un niveau au moins. On doit se soigner, mais on a pris un niveau. Le racket obligatoire. Comme ça que ça marche par ici. Si tu perds, tu perds tout. Ça devrait aller, je pense. Une super ball. Content de l'avoir maintenant et pas avant. Ah bah là on peut jouer. Là il y a game. Là, Primplouf, il est utile. Hop, masse pognon. Et un dernier. Et normalement, là, on a fini. Bon. Bah, c'était pas passionnant. Oh là, j'ai fait une connerie, non? Non, c'est bon. Faut que je fasse gaffe en fait, parce que j'ai tendance à jouer trop vite. Bubble Beam, oui.
Bien sûr, Bubble Beam, à la place de Bubble. À la place de Bubble, Bubble Beam, c'est beaucoup mieux. Voilà, on va aller se re-soigner. Ah mais non, mais elle m'avait fait payer l'autre pour me soigner, là. Ça sera à 2 secondes. C'est pas parce que je rackette la moitié des gens que je paye pour me soigner, enfin, ça suffit maintenant. Le guidebook niveau 4, numéro 4, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une super potion, ça c'est bien. Ah, on est arrivé à Shomong Town. Heal. C'est très clair. Je crois que c'est là qu'on se soigne. Non. Ils ont rien pour moi. Bon. Ça aussi c'est Final Fantasy, non? Bienvenue au Pokézar. Non, il faut que j'achète des Pokéballs. J'ai 2 Super Balls du coup, c'est cool ça. Est-ce qu'ils vendent des Super Balls? Non. Est-ce que j'ai envie de racheter des Pokéballs? Un peu. Mais pas beaucoup parce qu'on a vu que c'était pas hyper efficace déjà qu'on est niveau 10. J'ai laissé ma femelle Jolteon à la pension et tu sais quoi? J'ai eu plein de divis si t'en veux un. Ah. Non, j'ai cru qu'elle m'en donnait un, mais en fait non. Je me suis fourvoyé. Non, je veux pas que tu me, je veux pas que tu me regardes. Ah, est-ce qu'ils sont similaires? 6%, ils sont pas potes. Hein. Ils sont pas du tout potes. Je comprends rien. Je comprends rien et je m'en fous un peu en plus. J'ai pas trop prévu de faire des œufs. Non. Non, je veux pas voir et je m'en fous. Ah, tu vas battre le gym. Fais attention à l'insécateur, il est très dangereux. Ok. L'autre, elle m'avait dit vérifier les poubelles. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. On me dit vérifier les poubelles. Vérifier les poubelles. C'est tout. C'est fermé. Est-ce que je peux passer là-bas? Oui! Je peux! Salut, tu cherches Shady? Tu trouves Shady? J'ai des super deals pour toi. Tu veux échanger mon Mienfou de Mourant? Un Mienfou de Mourant contre mon Darumaka? Ouais, bah j'en ai pas. Dommage. C'est quoi Mienfou de Mourant? Ça a l'air bien. Ah, merci. Si tu laisses 2 Pokémon, tu peux avoir un œuf. Ouais, super. Ok. Ah non, non. C'est fait pour 5000, il fait quoi? Il groom un Pokémon. Qu'est-ce que ça fait de groomer un Pokémon? J'ai pas confiance, moi, je connais pas. Je te connais pas, moi, t'es pas mon pote. Hein. Je vends des Slugma avec Flame Body, t'en veux un? C'est 2000 Poké-Dollars chacun. Non. Non, j'en veux pas. C'est chiant. C'est chiant, mais il faut parler à tout le monde dans les jeux Pokémon. Ah, c'est fermé. J'ai rien volé. Je pense qu'il a volé quelque chose, moi. Ah, ah oui, oui, la sagesse des anciens. Ah oui, ah, c'est un... ah oui, 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 super. Super. Oh, il y a un shop. Bah, je vais aller au shop. Oui, je sais que c'est mal poli de rentrer dans les maisons comme ça, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'en ai déjà acheté les Pokéballs. Mais j'aimerais bien les Super Balls, moi. Ah, une netball, c'est bien ça.
Ok. On parle à tout le monde pour le principe, mais est-ce qu'on perdrait pas un peu notre temps? Bienvenue au coffee shop. Ben au revoir. Ben, c'était vachement bien. Si, si, c'était vraiment bien. C'était hyper bien. Hyper bien. Est-ce que... Moi, je veux capturer un Pokémon. Je peux ou pas? J'ai le droit. Ah. Oh, salut Daddy. Je suis content que tu sois arrivé jusqu'à Chaumonc. C'est un peu loin, mais c'est très tranquille comme ville. Après la situation du lac, c'est important qu'on puisse se relaxer et profiter de la sérénité. Nous trois, vous voulez dire? On peut pas oublier Blitz. Mais comment il est Blitz? Ma femme prend soin de lui. Waouh. C'est moi où il y a 1 million de sous-entendus constants dans ce jeu. C'est limite peut-être un peu trop. Daddy, Blitz s'est réveillé. Oh la vache. Je suis où? Mais qu'est-ce que vous regardez? Mais Blitz, tu te souviens? Ah non, c'est le néant. Au lac, évidemment, j'ai... My ass and it to me. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Quelque chose avec ses fesses. Quelque chose avec... Ah oui, ok. On a presque perdu, nous aussi, mais on a gagné en se battant contre lui ensemble, grâce au pouvoir de l'amitié. On est toujours plus fort quand on est avec ses amis. J'ai pas besoin qu'on me fasse le sermon. Je vais aller battre le gym. Allez. Ouais, c'est ça. C'est arrivé parce que j'étais pas assez fort. C'est tout. Je vais devenir plus fort. Juste pour que tu saches, Daddy, ça veut pas dire que t'es meilleur que moi. Non, non. Et je vais te le prouver. Quand tu vas entrer dans le gym, je serai en train de le quitter. A plus dans le bus, les nazes. Oui, oui, oui. C'est passionnant. On est vraiment intéressé par ça. Il a deux faces, il a un côté méchant, un côté gentil, il faut qu'on fasse la balance. J'ai hâte de vous revoir. Daddy, je vais gagner mon deuxième badge, souhaite-moi bonne chance. Bonjour Daddy, comment ça va? Bah écoute, bien. Plutôt bien, je t'avoue. Ah. C'est vraiment une route bizarre. Hein. Peu importe où je vais, ça finit toujours à la crossroad. Ça finit toujours à la croisée des chemins. Ah oui, d'accord. C'est un truc où on tourne en rond. Ah, Pokémon? Pokémon. Pas Pokémon. Est-ce que t'es un trainer? Est-ce que tu vas challenger le gym? Oui. Bon, t'as pas l'air fort. Hein. Si tu penses que t'es fort, vas-y, va essayer de battre le vice-captain d'abord. Okay. Ok. Bonne ambiance en tout cas. Hein. On se bat contre un espèce de monstre chelou et après on se fait insulter par l'autre là. C'est que du bonheur. J'avais pas dit que j'arrêtais. Si, j'avais dit que j'arrêtais. Hein. On va couper la vidéo là. Parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je joue. J'ai pas fait gaffe. À bientôt tout le monde.